Il y a peut-être un moyen d'accéder à l'ancienne prison. Une sorte de jouet miniature avec un mécanisme. Il est fait de bouts de métal et de pièces récupérées dans le goulag. Il a dû falloir longtemps pour rassembler tout ça. Vous avez terminé? Les antennes relais sont neutralisées. C'est fait. Bien. Nous n'avons pas grand-chose à vous donner. Mais si vous combattez à nos côtés, servez-vous de ça.
Nous avons été stupides. Stupides et arrogants. Nous avons cru pouvoir les arrêter. Mais les hommes de l'armée rouge sont bien plus nombreux que nous. Leurs armes sont plus performantes et leur rang augmente de jour en jour. Beaucoup des miens, moi y compris, ont été capturés. Ils nous forcent à creuser les mines de notre propre montagne. Tôt ou tard, ils finiront par découvrir notre secret. Ce jour-là, nous devrons être prêts. Je peux peut-être trouver le prisonnier de Constantin. Il sait sûrement quelque chose. Soldats soviétiques. Il y a eu un massacre ici, on dirait. Encore de la propagande. Travailler dur pour combattre le froid et la faim. Ce texte, il semble mener vers quelque chose à proximité.
ces inscriptions. Ce n'est pas du russe. Un avertissement, peut-être. Quelqu'un a gratté quelque chose en dessous. Des indications vers une chose cachée.
Écoute, je suis de ton côté. Je suis technicien, j'assurais la maintenance des Trinitaires. Mais il faut que je me tire d'ici. Ces types sont... ils sont fous. J'ai stocké du matériel, il est à toi, si t'as de quoi payer. Ils remarqueront pas s'il manque quelques objets. Mais s'ils le découvrent, ou qu'ils nous voient ensemble... je suis un homme mort. J'ai besoin d'une monnaie intraçable au cas où les choses tournent mal. De l'or, de préférence. Alors, marché conclu. Je vais voir ce que je peux trouver. Vous avez du goût. C'est pas une bombe. Un type flippant au visage balafré, un certain Constantin, nous a fait un grand discours sur la destinée et quelque chose qu'il appelle la source. Honnêtement, ça m'a encore plus embrouillé. Les autres contractuels ont l'air aussi agités et nerveux que moi. Mais les gars de la compagnie, ceux qui bossent avec les Trinitaires depuis longtemps, ils boivent ces paroles et en redemandent. On se croirait dans une putain de secte. On se prépare pour un assaut. Tu te demandes sûrement contre qui. Il y a des habitants dans le coin, tout droit sortis du passé. Ambiance fourrure, peau de bête et pointe de flèche en fer. On va à leur rencontre avec des hélicos de guerre et des mitrailleuses de calibre 50. Je me suis complètement gouré de camp, putain.